Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons la guidance générale du mois de janvier 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et à d'autres à la fin du mois de janvier. Donc le temps n'est pas arrêté avec le tarot, ça dépend à quelle vitesse vous avancez. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement et ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à ce propos pour avoir des messages plus clairs. Je vous recommande d'ailleurs de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple la guidance, la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, la guidance 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois et toutes les guidances de décembre qui sont à votre disposition. Vous trouverez également mon adresse email pour les guidances personnalisées si vous cherchez des renseignements. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Au pire, deux vaut mieux deux fois qu'une. Pardon. Allez, on va passer à l'énergie principale ici qui vous accompagne. Les amis Sagittaires, je tenais à vous souhaiter en tout cas de très très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos demandes d'abonnement. Hein. Donc merci à vous pour tout votre soutien cette année et j'espère que vous serez nombreux à continuer à m'accompagner l'année prochaine. Alors cette énergie principale, nous avons la lune qui apparaît inversée. Ça nous parle de quelque chose de trouble. Hein. La lune, c'est toujours mystérieux et trouble. Et là, c'est peut-être des fausses suppositions, des peurs de tromperie, de calomnie, de se faire avoir. C'est un peu comme si on était dans des théories un peu scabreuses. On est un peu dans l'illusion avec la lune inversée. Hein. La lune, elle peut représenter le rêve, mais à inverser, elle représente plutôt des illusions. On n'est pas très clair, on ne voit pas très clair, on fait des erreurs, on est superstitieux, on est dans la déception, dans la peur, dans l'angoisse, mais on n'est pas vraiment dans la clarté. Clairement, voilà, on n'est pas dans la clarté. Clairement, on n'est pas dans la clarté, c'est joli. La lune, c'est la gestation aussi, donc il y a peut-être l'incapacité de gérer quelque chose, d'assimiler les informations ici pendant ce mois de janvier. On va voir avec le reste des cartes comment ça peut nous parler. On va dévoiler d'abord la première colonne, ensuite on regardera la seconde colonne et j'ai rajouté deux cartes sur le domaine sentimental et deux cartes sur le domaine professionnel. Allez, on y va. Quel sera votre état d'esprit, les amis Sagittaires? Le 7 de coupe, votre état d'esprit sera justement dans une certaine forme de fantasme. Le fantasme, c'est-à-dire, justement, on parlait d'illusion il y a quelques secondes avec cette lune inversée. Et ici, votre état d'esprit, il est là-dedans. Vous fantasmez quelque chose, vous êtes... a priori, dans l'illusion, vous prenez vos désirs pour des réalités et quelque part, vous avez un peu de difficulté à prendre du recul par rapport à la situation. Vous n'y voyez pas très clair hein, dans un domaine ou un autre. Donc, ici, on vous invite à vous concentrer sur les opportunités, à choisir les choses en fonction d'une certaine clarté et d'affinité, plutôt que de vous laisser aller à des rêves farfelus, à de l'illusion, à ces désirs que l'on croit pouvoir être réels. Donc, un peu moins d'illusion, un peu plus de concret, de clarté serait recommandé pour ce mois de janvier. Quel sera votre défi? Le 10 de coupe. Votre défi, c'est la joie, le bonheur, être bien, vous sentir bien, vous sentir contenté, vous épanouir émotionnellement. Il y a ici, on voit que émotionnellement, il y a quelque chose de trouble, vous êtes un peu tourmenté peut-être, et on vous invite à chercher davantage le bonheur. Vous peut-être ne vous satisfaisez-vous pas. Ne vous
faisait pas, oui, c'est ça, de ce que vous avez, tout simplement. Et ici, on vous invite à vous reconnecter avec le plaisir de ce que vous avez plutôt que de vouloir toujours plus dans un premier temps. Surtout que pour l'instant, vous ne savez pas si vous allez avoir plus puisque vous rêvez les yeux grands ouverts, j'ai envie de dire. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire ce mois-ci? Le 5 de Pentacle. Alors, non pas que vous n'allez rien faire, mais le 5 de Pentacle vous rend un petit peu impuissant face à certaines choses, hein, un peu pauvre, un peu mendiant. Donc vous vous retrouvez un petit peu, vous avez le sentiment d'être un peu incapable de faire quelque chose, de faire progresser quelque chose. Il y a peut-être le fait de ne pas vraiment regarder les solutions là où elles sont, c'est-à-dire vous vous inquiétez, mais vous semblez rester recroquevillé sur vous-même au lieu de vous concentrer sur ce qui est là, ce qui existe. Il y a ici un sentiment un peu d'abandon, de se retrouver, de se sentir seul face à des préoccupations. Alors, est-ce qu'on se retrouve seul parce qu'on se fait des idées sur la personne qui partage notre vie si on a quelqu'un? Est-ce qu'on se sent incapable de justement de concrétiser des relations ici parce qu'on est trop dans l'illusion? On imagine que peut-être la personne ne va pas vouloir de nous au lieu d'imaginer qu'elle pourrait peut-être vouloir de nous, etc., etc. En tout cas, on ne sait pas vraiment comment faire. Il y a des solutions, mais on ne les voit pas véritablement. Ok, qu'est-ce qui va nous aider? L'amoureux. L'amoureux ici, ça nous dit quand même de nous connecter avec ce que, comment dire, avec ce que l'on est, hein, et de faire des choix. L'amoureux, c'est l'énergie du reflet, de se ressembler en face de soi et d'avoir des choix cohérents par rapport à nos affinités, par rapport à qui on est. Ce qui peut nous aider, c'est aussi tout simplement l'amour et peut-être la confiance. On se fait des idées, on a des illusions trompeuses, la personne ne répond pas assez vite au téléphone, donc on s'imagine plein de trucs, mais en fait, il faut peut-être juste se concentrer sur les énergies d'amour, sur l'enthousiasme, voilà, sur quelque chose comme ça, au lieu de peut-être d'avoir envie de voir des choses pas nettes, entre guillemets. Et ici, peut-être de faire des choix en toute connaissance de cause, avec un libre arbitre, c'est à nous qu'appartient de solutionner cette histoire. C'est nous avec nous, hein, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qui nous freine? Au contraire, le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est souvent quand on veut se précipiter, quand on veut aller vite dans quelque chose. Et donc, bah, peut-être que vous voulez précipiter les choses, notamment par exemple dans une histoire d'amour, vous voulez vous pousser, vous mettez la charrue devant les bœufs, vous êtes peut-être un peu trop dispersé, vous avez besoin de solutions logiques, mais vous n'en trouvez pas, hein, on le disait avec le 5 de Pentacle. Vous vous retrouvez devant peut-être des circonstances qui vous donnent l'impression d'être contrainte et frustrée, peut-être ici, hein, comme si c'était au point mort et ça joue sur votre impatience. C'est ça qui peut vous faire défaut, un manque de patience ici. Le chevalier d'épée, il peut représenter aussi quelqu'un qui est plein de sarcasme, qui est un peu trop direct, qui est un peu trop guerrier, trop rentre-dedans. La précipitation peut aussi manquer de diplomatie, exiger quelque chose auprès de quelqu'un, un peu comme si on essayait de le forcer parce qu'on veut aller vite. Cette personne, par exemple, elle n'a peut-être pas envie, tout simplement. Du moins, quand je dis elle n'a pas envie, c'est pas qu'elle n'a pas envie de vous, c'est qu'elle n'a pas envie d'aller vite, en tout cas. Elle n'est pas au même rythme que vous, peut-être. Dans le domaine sentimental, ici, nous avons le chevalier de bâton, bah, justement de l'enthousiasme, il y en a ici, hein, de la passion. Le chevalier de bâton, il est en quête d'aventure, en quête d'expérimentation, en quête de passion, en quête d'expérience physique aussi, sexuelle. C'est un personnage qui veut expérimenter des choses, mais il est plein de motivation, d'entrain. Il contredit un petit peu ce chevalier d'épée. On vous dit d'être calme et ici, vous êtes emporté par un tourbillon de passion. Peut-être vous avez envie de plein d'aventures, mais peut-être que la personne en face de vous, justement,
mais une sorte de frein. Il peut y avoir ce genre d'énergie. Et on vous dit de faire un peu plus confiance ici avec l'amour. Être amoureux, c'est pas pousser les choses, provoquer les choses à plein régime, entre guillemets. Pour d'autres, ce chevalier de bâton, il est justement en quête d'amour parce que peut-être il n'en a plus. Et il rêve ici, il a du mal, il est un peu dans une sorte d'illusion, il aimerait bien, mais il n'est pas clair avec ses sentiments, ses sensations. On a envie de quelque chose, mais on est dans une angoisse, dans une peur de ne pas retrouver aussi, peut-être. Dans le domaine professionnel, nous avons le roi d'épée. Qui est plein de clarté, hein, ce roi d'épée, il est très clair, il sait très clairement les choses, il voit très clairement les choses, il prend des décisions, il les cache, il prend des décisions qui peuvent être d'ordre juridique, administratif, en tout cas, voilà, il mène sa barque avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de clarté, voilà, il est lumineux, il sait, il voit. Et il prend les décisions en conséquence. Donc peut-être qu'ici, il y a une décision qui est prise dans le domaine professionnel. On regardera justement ce que ce roi d'épée regarde ici. Dans le domaine intérieur, psychologique, spirituel, nous avons le pendu. On vous invite à lâcher davantage prise, de ne pas être dans le contrôle, de vous laisser un petit peu faire, de laisser le temps faire, Ici, le pendu nous parle du consentement, du dévouement. Peut-être que vous vous dévouez trop, vous vous immiscez trop dans quelque chose. Et on vous dit, vous n'avez pas forcément le contrôle de tout. Ça ne sert à rien de mettre la charrue devant les bœufs. Il y a un rythme à suivre. Donc, cool, cool, keep cool. Laissez accepter que parfois vous soyez comme un peu bloqué, de ne pas pouvoir aller à votre rythme, de devoir suivre le mouvement, entre guillemets, avec ce pendu. Avec quel état d'esprit vous allez sortir du mois de janvier 2023? Nous avons le chariot, donc les choses pourraient être amenées à redémarrer ici. Il va falloir prendre le contrôle de ce chariot pour ne pas perdre la direction, l'objectif que l'on se fixe. Donc attention tout de même, comme je ne tire pas les énergies à l'envers, à contrario, on peut gouverner sa barque et avancer, mais on peut aussi faire fausse route et perdre le contrôle de la charrette, du chariot. Si on va trop vite, si on pousse mémé dans les orties, on se retrouve ici peut-être à perdre le contrôle de quelque chose. Le chariot, il nous invite à contrôler, en tout cas, à garder le focus sur notre objectif et d'y aller victorieux. Mais il a tendance à nous emporter vite, hein, ce chariot, de vouloir aller un peu vite. Et comme ici, on a le frein, le chevalier d'épée, ils peuvent se contredire un petit peu. Ok, alors avec la deuxième ligne, l'état d'esprit avec le 7 de coupe, nous avons le 3 d'épée. On est dans l'illusion, dans une sorte peut-être de chagrin même, hein, c'est-à-dire que on n'a peut-être pas ce qu'on veut sentimentalement dans les émotions ici. On est peut-être frustré, on est peut-être blessé, on est peut-être dans une certaine forme de déception. On fait monter quelque chose peut-être en tête d'épingle quelque part. Aujourd'hui, c'est ma journée expression, j'ai l'impression, hein, je sors plein d'expressions. Le 7 de coupe et le 3 d'épée, voilà, il y a l'expression quand même d'une frustration, de fantasmer de la douleur peut-être, d'inventer de la douleur, d'être un peu geignard peut-être. Hein. Ici, la lune nous raccorde parfois avec le signe du cancer, du mauvais côté du cancer qui peut se plaindre. Et le 3 d'épée nous donne cette impression ici qu'on alimente une certaine forme de tristesse. Et on nous dit, votre défi, c'est d'être heureux, de regarder le bonheur, de ne pas vous perdre dans cette peine illusoire qui n'a pas vraiment de raison d'être. Donc, c'est comme si vous étiez dans une sorte de vague à l'âme, à vous laisser emporter par des sortes de peurs, alors que vous pourriez davantage vous tourner vers le vrai bonheur, la joie, la satisfaction. Votre défi avec le 10 de coupe, justement, le battleur. Donc, vous satisfaire de ce démarrage, de quelque chose qui a été initié, qui est commencé, qui ne fait que commencer.
Vous devriez pouvoir apprécier le fait que c'est neuf, que c'est nouveau. Et en fait, vous vous faites du mouron ici. Vous vous inquiétez pour rien. Vous vous précipitez, pour certains d'entre vous, à regarder tout le côté négatif. La personne qui ne répond pas au téléphone au moment où vous l'appelez, au lieu d'imaginer que peut-être elle est en train de travailler et qu'elle n'a pas le temps, tout simplement, vous vous concentrez sur cette non-réponse, au lieu de vous concentrer peut-être sur le message qu'elle vous avait laissé la veille ou la conversation que vous aviez eue, qui voulait dire plein de belles choses. Mais vous entendez plutôt ce qui n'est pas dit ou ce qui fait mal. Voilà, il y a un petit côté saboteur, hein, ici, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire avec ce 5 de Pentacle? La reine de coupe, vous sentez impuissant face à... Face aux sentiments amoureux, hein, face à la générosité des sentiments. Quelque part, vous vous sentez pauvre en amour, peut-être que vous manquez de signes extérieurs d'amour. Alors vous, vous considérez que les appels, par exemple, sont essentiels et la personne qui est en face de vous, elle n'aime pas téléphoner. Elle préfère le concret, vous voir, quelque chose comme ça. Ici, il vous manque peut-être un sentiment d'amour, un manque d'amour pour ceux qui sont en couple ou pour les autres. Hein. En tout cas, on est enfermé dans ça. Et certains en ont de l'amour ici avec le 10 de coupe, puisqu'on leur dit de se tourner vers le côté joyeux de la vie, hein, vers le fait de commencer quelque chose et que ça peut, que vous pouvez vous libérer et que quelque chose est en train de se mettre en place vers de nouvelles énergies. Qu'est-ce qui va vous aider avec l'amoureux? La tour. Prendre des décisions pour prendre conscience de certaines choses. Hein. Ici, l'amoureux et la tour, on voit que il y a des décisions où il faut se remettre en question. Hein. Il faut remettre en question peut-être la relation ou la façon de le faire. Alors, pour certains, cette combinaison peut littéralement nous dire que ce qui est bon pour vous, c'est une rupture. Alors, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Mais ça peut vouloir dire ça. Pour d'autres, il y a une sorte de choses à revoir. C'est-à-dire que. C'est comme une sorte d'épreuve. Vous devez apprendre à aimer peut-être autrement. Il est question ici d'apprendre. Ce qui peut vous aider, c'est de vous déconstruire amoureusement peut-être, ou de revoir certaines choses, de faire des choix, de casser des choses pour les reconstruire autrement. Ça ne veut pas systématiquement dire séparation, hein. Mais pour certains, en tout cas, ça peut être une bonne chose. Parce qu'on est dans une sorte de détresse, on est dans une illusion, on se fait croire qu'on est heureux, on ne l'est pas, ou alors on se fait croire qu'on est malheureux alors qu'on l'est. Il y a vraiment cette dynamique ici, mais il y a quelque chose à changer, à déconstruire et à refaire autrement. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec le chevalier d'épée? Le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, il correspond à une énergie rapide lui aussi. Le chevalier d'épée et le 8 de bâton, précipitation, ça se confirme, mais le 8 de bâton, il ne supporte pas les retards. Il y a quelque chose qui nous parle de retard. Donc vous avez tendance à finalement à être un peu confus, à manquer de direction parce que justement vous ne vous focalisez pas sur la direction que vous devez prendre, mais sur l'instant extrêmement présent, c'est-à-dire là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Et le 8 de bâton, c'est un peu de manquer de projection, manquer de visibilité d'imaginer les aventures, le voyage. Hein. C'est de refuser peut-être de préparer ses bagages quelque part pour vivre une aventure. Et de vouloir que les choses aillent très, 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 très vite. J'ai quand même pas parlé ici dans le thème général. La lune, ça peut nous parler du passé, ça peut nous parler de la famille, du foyer aussi, qui serait brinque-ballant ici, hein, là où il faudrait quand même solutionner des choses. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, donc pas forcément l'amour, hein, mais.
Voilà, ici le 4 d'épée, le chevalier de bâton, il est motivé, envoûté, comment dire, il y a une sorte d'ambition, d'enthousiasme, d'excitation, tous ces mots un peu d'une passion folle, entre guillemets. Et le 4 d'épée, on voit que bah, il faut calmer un peu le jeu. Il faut calmer un peu le jeu, peut-être. Il faut peut-être moins exprimer cet enthousiasme, il faut peut-être le montrer différemment, apporter peut-être plus d'amour et un peu moins de rapidité. On a deux chevaliers d'épée ici, hein, des choses qui vont vite, qui l'enthousiasme, la passion, se laisser emporter par des choses. Et ici, le 4 d'épée, lui, il nous dit un temps de pause, de mes méditations qui va avec le pendu ici. On n'a pas le contrôle forcément de tout. Acceptez que vous n'avez pas le contrôle forcément de cette passion, en tout cas des personnes qui sont en face de vous, dans votre relationnel ou dans votre amour. Ok, alors on va tout de suite regarder. Non, je vais finir d'abord le premier tirage. Ok, alors avec le roi d'épée dans le domaine professionnel, nous avons le 7 de coupe. On retrouve cette énergie ici, le 7 de coupe. Prendre des décisions ici. Par rapport à des choses fantasques. Donc, il y a peut-être de l'illusion aussi dans votre vie professionnelle. Il y a des choix à faire. Il faut peut-être renoncer à des choses où on nous vend du rêve. Quelqu'un qui nous vend du rêve dans le domaine professionnel, voir un peu la vérité. Le roi d'épée, il a la clarté. Et ici, il y a un peu d'illusion. Donc, vous allez découvrir quelque chose ou vous allez comprendre quelque chose, prendre des décisions en conséquence. Pour pallier à quelque chose qui n'était pas clair, qui n'est pas clair dans le domaine professionnel. De l'illusion, comme je le disais. On essaye de vous vendre quelque chose, ou on vous parle d'un projet, on vous dit que peut-être vous pourriez avoir la place d'eux, mais en fait, rien n'est clair, c'est confus, et ici, on vous dit, ouvrez grand les yeux, soyez clair, soyez factuel, regardez les faits avec intelligence et comprenez les tenants et les aboutissants de ce fantasme, de ces illusions. Dans le domaine intérieur, psychologique et spirituel, nous avons l'as de denier. On retrouve ici votre défi, le battleur, et ici l'as de denier, votre investissement dans quelque chose. Prenez le temps, gardez le contrôle. Et essayer d'apprécier ce début. Hein. C'est vraiment, encore une fois, il y a cette énergie. Il y a quelque chose qui commence et vous êtes impatient. Vous n'arrivez pas à apprécier ce nouveau démarrage, ce nouveau départ. Si vous êtes récemment célibataire, si vous vous êtes séparé, vous n'arrivez pas à vivre ce nouveau départ qui pourrait pourtant vous apporter beaucoup. Vous essayez de contrôler, donc vous essayez de recréer un enthousiasme rapidement pour ne pas rester seul, par exemple. Mais vous n'appréciez pas le temps de cette nouveauté. Et si au contraire vous êtes avec quelqu'un, vous êtes très enthousiasmé, vous voulez que ça aille plus vite et vous n'appréciez pas le fait de vous découvrir, de vous investir avec cette personne. Ok, avec quelle énergie vous allez terminer le mois de janvier? Nous avons le cavalier de denier. Donc peut-être qu'enfin les choses vont un petit peu se calmer à la fin du mois. Le chariot, gardait le contrôle, comme on disait, mais il peut aller un peu vite, sauf qu'il est accompagné du cavalier de denier qui lui ralentit les choses. C'est le seul cavalier qui n'est pas sur sa monture. C'est celui qui ménage sa monture. C'est celui qui réfléchit pour s'investir dans le temps, pour que les choses soient pérennes. Donc si vous voulez continuer quelque chose et que ça suivre la bonne route, on vous invite à être plus dans la construction que dans le sabotage ou dans l'exagération, dans la rapidité, dans la précipitation. On vous dit, si vous voulez que quelque chose dure, ménagez votre monture. Et ça rime. Alors, dans le domaine sentimental, on va compléter. Le cavalier de bâton avec le 4 d'épée, nous avons l'énergie de l'enfant et de l'illusion. Donc on retrouve toujours cette lune inversée, l'illusion ici. Il y a quelque chose de naissant,
qui provoque chez vous des illusions. Les choses ne sont pas claires. Vous percevez ce nouveau départ d'une façon un peu trouble, un peu fausse. Il y a peut-être des façades trompeuses. La personne vous donne l'impression, s'il y a quelqu'un par exemple, la personne vous donne un peu l'impression de ne pas vous aimer alors que c'est peut-être pas le cas. Ou alors au contraire, vous avez l'impression qu'elle vous aime beaucoup alors que ça n'est pas le cas. Il y a dans cette nouveauté en tout cas beaucoup de fantaisie, de choses fantasques. On imagine les choses. Ici, on a la sirène hein, qui vient enlever ce pêcheur. Le mythe de la sirène, c'est d'attirer quelqu'un. Alors peut-être que vous suspectez l'autre personne de vous tromper ou d'aimer quelqu'un d'autre à tort. Vous êtes dans l'illusion. Voilà. Donc attention à cela, prendre bien le temps d'apprendre à se connaître et de ne pas faire des plans sur la comète, entre guillemets. Hein. Dans le domaine du travail, maintenant, avec le roi d'épée et le 7 de coupe, nous avons le courtisan et le travail, justement. Le courtisan, c'est celui qui séduit avec des bons mots. C'est le commerçant qui vous dit, le vendeur à la sauvette qui vous dit qu'il a un produit miraculeux et qui peut être un peu comme un charlatan ou... En tout cas, il fait les choses pour son propre compte, pas pour vous. Donc, il peut essayer de vous vendre du rêve, comme on le disait avec le 7 de coupe. Mais ici, on a le roi d'épée, hein, la clarté, on sent cette faux ici. Il faut rester focus sur son travail, sur son objectif, sur ses objectifs, sur son côté consciencieux, rigoureux. Ne pas se laisser avoir par des vains mots. Par quelqu'un qui essaye de vous convaincre. Restez peut-être même éloignés, hein. Ces personnes ne se regardent pas quand on les voit sous cet angle, le travail et le courtisan. Se méfier, donc peut-être avoir une certaine forme de méfiance vis-à-vis de quelqu'un et peut-être prendre des décisions si on sent que... si vous êtes sur le point d'être en partenariat, peut-être qu'il faut apprendre à découvrir cette personne, ne pas être dans l'illusion et vraiment, si vous tombez sur une personne, par exemple, mythomane ou je ne sais pas quoi, peut-être faire attention à ce partenariat, être méfiant. Voilà les amis Sagittaires, ce que je ressens par rapport à ce tirage. Il est donc venu le temps pour vous peut-être de commenter, de me dire comment vous avez ressenti ces énergies. Est-ce qu'elles vous parlent? Comment elles vous parlent? Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de dévoiler toute votre vie si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez faire un retour rapide, succinct et un peu, comment dire, mystérieux. J'aurai en tout cas le plaisir de vous lire et de vous répondre, comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour m'encourager, me soutenir, et pour créer le lien, tout simplement, entre nous. J'aurai plaisir à vous retrouver très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les Sagittaires. Et je vous souhaite encore une fois de plus de très belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao!